Christian Lambert-Guénin, Joseph Pasquier-Ngameni. Voilà deux nouveaux professeurs agrégés que la communauté universitaire de Tchang accueille, notamment pour le compte de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Solennellement présentés au public dans ce campus, ils sont tous deux lauréats de la 20e session du concours du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, tenu du 20 au 24 novembre 2021 à Cotonou au Bénin. Sous l'égide du professeur Tsafar Nanfosu-Roger, maître de sciences et par ailleurs recteur de cette institution, ils ont reçu leurs oripeaux de grade devant un public varié en compagnie de leurs parrains. Vous avez choisi la plus belle des voies, mais vous avez choisi la plus exigeante. Je suis rassuré. Nous avons participé à la formation de cette graine. On l'a mise en terre et là je l'ai mis. Aujourd'hui, nous sommes très fiers et je puis vous assurer que, sauf un accident de parcours, la Faculté des sciences économiques et de gestion a aujourd'hui enregistré de beaux lauréats capables de porter haut le flambeau de cette maison-là, d'encadrer les jeunes, notamment les jeunes assistants, les jeunes chargés de cours, et de partager l'expérience avec tout le corps enseignant dans la chance et dans l'école doctorale, pour que ceux qui viennent après eux soient aussi mis à la même initiale de la création. Premier bénéficiaire de ces nouveaux lauréats, le professeur Wandji a appelé les nouveaux agrégés à toujours donner à la société ce que la science place en eux. Je souhaite que vous gardiez en tête cette phrase de Newton Bakker. L'homme diplômé aujourd'hui, qui arrête son apprentissage, est l'inculte de demain. Résultat d'un travail de titan, ce succès au concours du CAMES 2021 est la clé d'une nouvelle mission dans un monde où la science attendra davantage de ses lauréats. Nous savons beaucoup à faire pour essayer de ne pas remettre en question cette confiance qui a été déposée. Donc c'est le sentiment qui m'anime, également un sentiment de fierté et de remerciement et de souhait aussi pour que toute la communauté présente puisse retourner en paix et que la graine qui est sémée en nous puisse germer et qu'on ait davantage de têtes pensantes et qu'on ait davantage de maîtres. Quelques heures auparavant, les deux lauréats auront bien choisi de poser leurs valises à la paroisse Saint-Augustin, où ils sont allés présenter les résultats de leur moisson à la communauté chrétienne.